vous avez compris, ils ne sont pas sur le sol européen aujourd'hui. Donc si on assure, il faut qu'on puisse assurer une traçabilité du fait qu'on va respecter les meilleurs standards sociaux et environnementaux. Avant de passer sur, sur ces standards-là qui sont extrêmement importants, je crois qu'il y a, pas mal de choses à dire, la notion de la R&D, vous avez un gros département R&D, tu entends parler, quel est le lien que vous avez avec les départements R&D de vos clients? Parce qu'au final, vous fournissez des clients, et les mecs ils sont en train de réfléchir à ce que la batterie aura besoin dans 10 ans. Vous pouvez faire de la R&D chez vous, mais ceux qui sont le plus légitimes et le plus compétents en la matière du besoin, c'est chez eux. Est-ce qu'il y a des vrais ponts de R&D entre les clients? Oui, alors il y a beaucoup de ponts. On est sur de nombreux projets collaboratifs. Nous, on a un projet collaboratif entre Eramet, BASF et Suez pour travailler justement sur le recyclage des métaux, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Il y a une nouvelle mine qui nous entoure, qu'on peut appeler la mine urbaine. Même sur ce plateau, on est entouré de métaux. C'est vrai. Ils sont sur notre sol européen, donc il faut qu'on puisse arriver à les extraire, à les extraire et à les recycler. Bien sûr. C'est une des BU de chez Eramet Alors, on n'a pas encore de business unit à porter la réflexion sur le sujet. Même si nous avons une activité de recyclage de piles et de catalyseurs qui est située en France dans une usine d'Erastil, mais c'est effectivement un axe de développement qui est extrêmement important, sur lequel on va aussi utiliser demain de l'intelligence artificielle et du numérique. Pour travailler en entreprise d'ailleurs plus étendue avec tous nos clients et nos partenaires. Tout à fait. Mais du coup, sur la relation au niveau de la R&D, sur le besoin futur des métaux, c'est-à-dire où est-ce que je vais faire les gros paris des métaux futurs, est-ce que ça sont des choses que vous travaillez avec vos clients? Alors effectivement, ce sont des choses qu'on travaille avec nos clients et aussi avec tous les comités stratégiques des filières aval. Je suis aussi présent au comité stratégique de filières, donc je vois les liens que nous avons de plus en plus avec les secteurs de l'automobile en particulier, mais aussi de l'aéronautique, de la construction. Ils voient ces besoins grandir pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières. On a vu d'ailleurs avec l'automobile la crise des composants actuels. C'est un enjeu de souveraineté quand même. Et on a derrière un enjeu de souveraineté qui est extrêmement important, c'est d'arriver à sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Donc on y travaille non seulement en R&D, mais aussi en termes de vision.